Hoyo à tous, ici Lou, et bienvenue dans l'autre façon de jouer. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de ce premier Lou Horror Show sur Silence of the Sleep, où on va essayer de faire notre thérapie. Le docteur est là, c'est le moment. Hop. Est-ce que vous voulez commencer votre thérapie? Oui. Ça va terminer la deuxième journée. Ok, pas de soucis. Notre thérapie. Bon après-midi, Jacob. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je me sens plutôt bien, merci. Je suis content d'entendre ça, Jacob. Jacob, parlons de votre peinture. Laissez-moi voir ça. Oula, c'était quoi ça? You can barely find any paint from the canvas. Très bizarre. Son truc qui montre à gauche. Pourquoi n'avez-vous pas peint plus que ça? C'est très bizarre. Je suis pas tant un peintre. Ouais, il y a un truc bizarre sur la gauche, hein, c'est normal. Enfin, c'est pas normal, je sais pas pourquoi. Ok, tant pis. Honnêtement, j'avais pas envie. Voilà, j'avais juste pas envie. Alors laisse-moi tranquille. Ah, je suis désolé d'entendre ça, Jacob. Je trouve qu'il est très dur de vous aider si vous ne me laissez pas le faire. Désolé. Bon. Passons à autre chose. Vous souvenez-vous de le premier après-midi que vous êtes venu? Premier soir que vous êtes venu? Vous m'avez dit que votre voyage... Vous m'avez parlé de votre voyage et avez mentionné une femme. Oui, je me souviens. J'aimerais en apprendre un peu plus sur cette femme. Est-ce que vous savez comment elle est? Non. Enfin, qui elle est plutôt? Ce serait plus logique. Non, je sais pas. Mais j'ai senti sa présence durant mon voyage. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce sentiment? Comment la sentez-vous? C'est un peu difficile à expliquer. La première fois que je l'ai vue dans... je l'ai vue la première fois dans le motel avant que je parte. Et à quoi elle ressemblait? Vous direz que je suis fou si je vous le disais. Allez-y, Jacob. Ne soyez pas timide à ce propos. Elle est apparue comme une figure fantomatique levant sa main. J'ai entendu un soupir. Continuez. Help us. Aidez-nous. Intéressant. Us. Nous. Au pluriel. Je me demande quelle est la signification de ceci. Moi aussi, Clifford, moi aussi. Jacob, je crois que cette femme est importante en quelque sorte. Je suggère que nous concentrions notre hypnothérapie dessus, sur elle. Fermez vos yeux. Écoutez la musique et relaxez-vous. Waouh, encore un truc chelou! Non, pas de truc chelou? Ah, nos yeux qui se ferment. Allez, on passe au truc chelou, hein. Pourquoi c'est cet écran d'ailleurs qu'on voit comme ça avec les yeux qui se ferment, étant donné qu'il est assis sur la droite de l'écran normalement? C'est pas logique, mais bon, passons. C'était juste pour donner l'effet des yeux qui se ferment, qui s'endorment, etc. Non, bon. Il se passe rien? Ah, ça charge. Quand même. Oula. Oh. C'est là où on l'a rencontré. Là, ça fonctionne pas. Ok, c'est fermé. Ok, toilette des femmes, c'est fermé. Il y a quelque chose qui pend sur le devant le
c'est Paul, c'est. Je sais pas, c'est Judas, non? Ah, une lentille chelou. Ah! Alors, encore cette histoire de lentille chelou. Ah, elle est là. Bonjour, madame. Je vais. Là, il y a tout le monde. Qui pendent, c'est fermé, ok. Ok, donc là il y a plein de trucs bizarres qui pendent un petit peu partout. Elle n'était pas là la mademoiselle? Bonjour. Avez-vous vu la couleur de mes cheveux? Non. C'est la même histoire qu'avec les ballons, mais j'arrive pas à comprendre comment je fais pour marcher. Ah oui, tiens, avec la roulette, c'est plus facile. Ah. Ça devient vert. Hop. Là, ça marche. Eh oui, ça marche. Ben, en fait, c'est ça. Faut juste hop, zoomer, dézoomer. C'est moi ou ça a changé d'ambiance là d'un coup là. Ah. Ces trucs verts. Ah ouais, il y a plus personne là. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces trucs chelous? Hop. Petit zoom et des zooms, ça fait quoi? Je vais aller lui parler à la gonzesse là, parce que c'est la seule qui est encore là. Bonjour madame. Oui, j'ai vu la couleur de tes cheveux. Merci, vous m'avez aidé. Oui, t'es rousse.
Je suis toute seule ici. Qui êtes-vous? Je suis Jacob. Votre nom est Alice, n'est-ce pas? Alice? Non, non, ça peut pas être ça. D'où est-ce que vous venez? Je pense que c'est mon rêve. Et qu'est-ce que je fais dans votre rêve? Je suis essentielle? Je suis toute seule. Je suis désolé d'entendre ça. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais vous me semblez familière. Est-ce que je vous connais? Je pense que je suis morte. Est-ce que vous avez vu mon bébé? Putain, mais quel est le problème avec mon esprit? S'il vous plaît, arrêtez de rêver. Aidez-nous. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Ça ne veut plus rien dire. Waouh! Elle était pas là cette porte avant. Je suis coincé, mais peut-être que je pourrais l'ouvrir. Ah. Ok. Ah, n'existe plus, hein. Ok. Ah, j'ai réussi à ouvrir. c'est pas la baignoire où il y avait quelque chose là-dedans là. Ah. Murder. C'est quoi? C'est quoi? C'est une lettre ça? C'est même pas une lettre. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'écrit? Murder. Une baignoire pleine de sang. Ah, c'est vrai. Ah, on va encore chercher à l'intérieur. Ah! Ah non, pas ça. Je vous hais, développeur. Je vous hais. Oh, Jacob. Wow. Bon, il perd la tête là. Jacob, vous allez bien? Non, 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 non. Vous étiez en train de crier. Non, non, je vais pas bien du tout là. Arrêtez avec ces trucs. Quelle idée de jouer à ce jeu. Faut être fou pour jouer à ce jeu. J'en peux plus là. Je dois partir d'ici. Calmez-vous, Jacob. Qu'est-ce que vous avez vu? Quelle est la différence? Je peux pas être aidé. It's all gone to hell. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. N'abandonnez pas, Jacob. Après une telle expérience, vous pouvez vous sentir comme ça, mais laissez-moi vous aider. Ok, je vais essayer. Donc, Jacob, qu'est-ce que vous avez vu? J'étais dans l'hôtel à nouveau. Alice, ou je sais pas, je sais même pas qui c'est, était là. Alice, pourquoi vous l'appelez comme ça? Quand j'ai visité le motel plus tôt, je lui ai parlé et son nom était Alice. Enfin, c'est ce qu'elle disait. Mais maintenant, elle dit que c'est pas vrai. Intéressant, Jacob. Et qu'est-ce que vous avez, de quoi avez-vous parlé tous les deux? Elle m'a demandé de trouver la couleur de ses cheveux. C'est rien après que... Parce qu'après, elle s'est transformée en quelque chose, un monstre. Continuez, Jacob. J'ai forcé une porte pour m'échapper et ça m'a conduit jusqu'à une baignoire. Je connaissais cette baignoire de mon... durant mon voyage. Non, dans une salle de bain, pas une baignoire, parce que bathtub c'est la baignoire. Il y avait une baignoire et vous ne croirez pas The Stench, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai cherché dans la baignoire et j'ai attrapé quelque chose. Ça, c'était moite et collant dans ma main et je l'ai tiré jusqu'à la surface. Qu'est-ce que c'était, Jacob? Des cheveux et ils étaient toujours attachés. Une femme a rampé de la baignoire. Je suis désolé, Jacob.
Pensez-vous avoir la force de continuer? Oui, voyons. Allons jusqu'au bout. Donc, vous avez vu une figure fantomatique d'une femme appelée Alice et une femme venant de la baignoire. Est-ce que c'était la même personne? Je ne pense pas. Une autre appelée à l'aide et les deux autres essayaient de vous faire du mal. Je ne sais pas, Clifford. C'est tellement confus. Oui. Jacob, notre dernière séance de thérapie, le mot coupable est ressorti. Maintenant, il y a la présence de cette femme. Je vois où ça nous mène. J'ai fait quelque chose d'horrible et mon esprit est bloqué. C'est possible, Jacob, mais c'est aussi possible que il y a un autre côté à cette histoire, un autre sens. Souvenez-vous, une d'entre elles demandait votre aide. Jacob, est-ce que vous pensez avoir la force pour une nouvelle tâche? Oui. Bien, bien. Je vais vous laisser regarder à ces photos dites-moi ce que vous voyez. Ok. Ah, non. Les tests de Rorschach, je ne sais pas comment ça se prononce. La première. Prenez regardez bien. Et à quoi vous pensez que ça ressemble? Je trouve que ça ressemble à une chauve-souris, je sais pas pourquoi. Wow. Ok, je vais lui dire la vérité. Ça ressemble au mec chelou. C'est lui. Qu'est-ce que vous voulez dire, Jacob? Cet homme mystérieux qui m'a aidé durant mon voyage. Ah, intéressant, Jacob. Et celle-là? Lui aussi. Qu'est-ce que vous savez qui c'est? Non. Je l'appelle le barman. Intéressant. Le dernier, Jacob. Ok, bon, bah, je vais dire la vérité. À nouveau, qu'est-ce que c'est? Comment avez-vous rencontré cet homme? C'est un petit peu compliqué. Il était la première personne que j'ai rencontrée après avoir perdu la mémoire. Mais je le vois je l'ai revu de temps en temps. Je ne sais pas. Il apparaît comme un ami, mais pas toujours. Fascinant. D'accord, Jacob. On devrait arrêter pour aujourd'hui. Vous ne devez pas abandonner. Ça a été dur, mais on se rapproche. Ok, Clifford, je ferai de mon mieux. Wouah! Alors, et franchement, la femme qui est sortie de la baignoire, j'ai pas aimé. Hein? De retour! De retour. Bonjour, monsieur le barman. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voudriez-vous quelque chose à boire? Non. Je veux pas boire. Pas de problème, monsieur. Donc, je suis à nouveau ici. Oui, vous continuez à jouer à la balle avec ce Clifford. Quelle autre option j'ai? Je crois qu'il essaye de m'aider. Je dois donner un sens à tout ça et c'est le meilleur moyen. Ah, je suis votre meilleur moyen, monsieur. Ah non, c'est vous êtes mon meilleur moyen. Laissez-moi vous demander quelque chose. Est-ce qu'il vous a donné des médicaments? Est-ce que c'est comme ça qu'il l'a appelé? Bah oui, mais je pense que c'est une pratique standard. Et vous n'avez jamais demandé ce que c'était comme médicaments? Vous les avez juste pris sans poser de questions. N'ai-je pas raison, monsieur? Vous semblez savoir
très bien de ce que ça fait. Maintenant, vous êtes sur la défensive. C'est une bonne chose, monsieur. Vous ne savez pas que croire. J'ai besoin de gagner votre confiance sur Clifford, il semblerait. Très bien. Demain, ne prenez pas ces médicaments et les choses apparaîtront telles qu'elles sont vraiment. Je sais pas. Ce n'est pas assez. Demain, Jacob, qu'est-ce qui se passe demain? Une expérience vivante des expériences. Un exemple vivant des expériences de Clifford. Je suis pas sûr de suivre. Demain, une personne va tenter de mettre fin à ses jours. Peut-être qu'il vous fera croire. Qui est-ce? Vous le découvrirez bien assez tôt, monsieur. Après ces événements, j'espère que vous aurez un regard plus large sur les choses. Vous devez quitter cet endroit pour trouver la vérité, monsieur. Ok, donc quelqu'un va se suicider, ça a l'air cool comme histoire. Je pense savoir qui, mais le mec de Dewey, je sais plus, comment il s'appelle? Ah, il y a toujours ce problème d'affichage où c'est censé être mon dessin et tout, mais c'est très bizarre. Je ne sais pas que croire. J'ai besoin de keep my eyes peeled. Je sais pas. Des 3. Jour 3. La perdition. Ça, c'est mon dessin. Oui. Un chef-d'œuvre. Bon, dans le coup, on peut pas le voir, mon dessin. Tant pis. Mais calmez-vous. Non, reste. Bah voilà, je m'en doutais, c'était lui. C'était de lui que je parlais. Vous n'avez pas à avoir peur. Je ne vous crois pas. Qu'est-ce qui fait tout ce bruit? Je pense que ça vient de la chambre de Dwight. Voilà, c'est Dwight. S'il vous plaît, calmez-vous. Non, restez en arrière. Dwight, s'il vous plaît, ouvrez cette porte. Non, restez en arrière. Allez, mon gars, y a pas besoin de faire ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est Dwight. Il fait un cri, il craque. Il a les nerfs qui craquent. Il a fermé la porte et il laisse personne entrer. Je suis sûr que Clifford a la clé. Je l'ai. Mais il dit qu'il va sauter si je tente d'ouvrir la porte. Est-ce que je peux aider? J'en doute, Jacob. Il écoute personne. Laissez-moi essayer, je pense qu'il me fait confiance. Je ne sais pas. Allez, Clifford, laissez Jacob essayer. Ouais, c'est mieux que rien. Ok, Jacob. Mais s'il vous plaît, ne faites rien de hâtif. Je vais juste lui parler et voir si je peux retourner, si je peux lui faire retrouver la tête. Hey, Dwight, c'est Jacob. Ça va bien? Non, c'est des menteurs, c'est un mensonge. Je sais, Dwight. Est-ce que vous voulez vous calmer? Écoutez. Je vais entrer dans la chambre maintenant. Vous pouvez entrer, Jacob, mais vous et vous seul. Bien sûr, Dwight. Waouh. Et Dwight, qu'est-ce qui se passe? C'est des menteurs. Ce n'est pas réel. Les murs saignent. Ils murmurent. Ok. Est-ce que tu veux bien descendre, s'il te plaît? Mais en enlevant la corde qui est autour de ton cou, quand même. Non. Vous êtes juste en train de vous jouer de moi. Dwight, c'est moi, Jacob. Hallucination. Tenez, prenez, respirez. Et retrouvez vos esprits, ce sont juste des hallucinations, ce n'est pas réel. Qu'est-ce que vous en savez? Comment vous pouvez en être sûr? Qu'est-ce que vous voyez, Dwight? Les murs sont en train de saigner comme de l'encre. Et les murmures, ils veulent pas s'arrêter. Et qu'est-ce que disent les murmures?
Ils disent mon nom. La voix appartient à Clifford, mais c'est pas une voix amicale. C'est Médoc. Ils prennent le contrôle de moi. Je dois me battre. Auditory, le sien. Ouais, j'avais entendu ça. Dwight, les voix sont dans votre tête. C'est votre maladie. Whispering, de murmure, enfin, je sais pas. Non, ça peut pas être ça. Vous ne voyez pas Jacob? Tout ça, c'est un gros mensonge. Vous devez me croire. Je comprends ce que vous ressentez, mais vous devez essayer d'être rationnel. Essayez de vous concentrer. Je pense que vous avez une détresse émotionnelle à cause de votre maladie. Est-ce que vous vous sentez en danger? Est-ce que vous vous sentez en danger? Oui. Est-ce que ça peut vraiment être... Non, restez en arrière et laissez-moi penser. Dwight, tous vos symptômes, les choses que vous voyez, que vous entendez, prenez un moment et réfléchissez-y. Vous souffrez, vous délirez. C'est tout dans votre tête, Dwight. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, descendre? Je vais descendre, d'une manière ou d'une autre. Ah. Vous croyez, Jacob? Ouf, j'ai cru qu'il est suicidé. Merci, Jacob. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Calmez-vous, ça... Il va bien pour l'instant. Clifford, vous devriez rentrer et lui parler. Merci Jacob, je vous parlerai plus tard. Ouais, bien joué Jacob. Bien joué, vous l'avez sauvé. Merci Jacob, vous l'avez fait. Ok, ça suffit, merci. Ça me fait me demander... ouais. C'est pas la meilleure façon de commencer une journée. Hein. Mais je suis vraiment content qu'il soit sain et sauf maintenant. Moi aussi. Nous le sommes tous. Je pense que nous devrions laisser Clifford et Dwight seuls pour le moment. Dirigeons-nous vers les escaliers et prenons quelque chose à manger. Ouais, petit déj. Bon. Pourquoi il ferait quelque chose comme ça? Ouais. Il m'a dit quelque chose. Qu'est-ce que c'était, Jacob? Il a dit que cet endroit ne semblait pas... qu'il y avait quelque chose avec cet endroit. Oui, voilà, qu'il y avait quelque chose de... qui n'allait pas avec cet endroit. Je me demande ce qu'il voulait dire. Je ne suis pas sûr. Et vous, les gars, comment vous voyez cet endroit? J'adore cet endroit. Je me sens déjà mieux. Oui, moi aussi. Ça marche vraiment pour moi. Et vous, Marc? J'ai pas à me plaindre. Petit à petit. Ok. Et vous, Jacob? Eh bien, j'aime bien cet endroit, vraiment. Mais dans le même temps, j'ai un sentiment étrange. Quelque chose ne semble pas à sa place. Je ne suis pas sûr. C'est assez dur à décrire. Avez-vous parlé à Clifford à propos de ça? Non, vous pensez que je devrais? Oui, je suis juste un peu inquiet que vous finissiez comme Dwight si vous gardez tout en vous. Aucun homme ne peut porter ce poids pendant trop longtemps. Vous marquez un point, merci Gérald. Ouais, de rien, Jacob. C'est l'heure de vos médicaments. Voilà vos médicaments, Gérald. Brad. Jacob. À ce propos, je pense pas en avoir besoin. Qu'est-ce que vous voulez dire, Jacob? Je me sens déjà mieux. C'est important pour vous que vous preniez vos médicaments, Jacob. Merci, ça va. Je vais devoir le signaler à Clifford et Marc. Ce sera tout. On se voit plus tard, les gars. Bye, Jenny!
Est-ce que j'ai pris mes médocs? Je ne veux pas prendre mes médocs. Voilà. Bon. Pouvoir partir d'ici. C'est fermé. Oh, il pleut encore, hein. Ça arrête pas, hein. Alors. On va aller sauvegarder un petit peu. Hey Jacob, nous sommes réunis dans la salle de détente. Vous joignez à nous? Bien sûr, Clifford. Mais dans le prochain épisode, là, on va sauvegarder. Voilà. Et on se retrouve dans le prochain épisode du Loup Aurore Show. Allez. See you.